Mon frère, ma soeur, bon, je suis devant vous cet après-midi, simplement. Bon, on est le 15 février 2010, aujourd'hui. Je suis devant vous pour que remercier le Seigneur Jésus-Christ pour tout ce qu'il a fait dans notre vie, toute la grâce qu'il a fait dans votre vie. Donc, mon message, simplement cet après-midi, c'est ce message que je vous traverse de vous, l'amour. Comment y avoir l'amour avec le nom de Jésus-Christ? Dans un cœur, comme je te disais, mon frère et ma soeur. À ce moment, je vous l'ai dit. J'ai eu des miracles dans ma vie. J'ai eu des visions dans ma vie. C'est à partir de ces choses-là que j'ai eu les miracles dans ma vie que j'ai venu pasteur, je vous l'ai dit. J'ai venu enseignement. Vous enseignez la bonne parole. Que vous portez la bonne parole que le nom de Jésus-Christ qui m'a transmis. Parce que comme je vous le disais, ce n'est pas des dates d'aujourd'hui que j'ai eu les miracles dans ma vie. C'est pas depuis que je vous l'ai dit, depuis que j'étais à Madagascar. J'ai eu ce miracle, cette révélation. Quelle est ma destinée? Et après aussi, j'ai eu le 12 avril 2008, j'ai eu encore la deuxième révélation. Quelle est ma destinée, mon frère et soeur? Simplement, ma destinée, c'est pour que partage la bonne parole de Dieu. On n'a besoin pas tout le temps qu'on prend toute la Bible tout le temps. C'est vrai, moi, je suis direct pour que je lis la Bible et après j'enseigne à devant ces vidéos. Je ne sais pas comment les gens, comme certains pasteurs qui vont à l'église, qui lit, qui apprend en même temps, il enseigne la parole de Dieu. Non, moi, ma mission, c'est pour aller prier simplement. Prier, adorer et remercier Dieu à travers toutes les choses qu'il nous a fait, à travers tous les miracles qu'il nous a fait. Les miracles. Donc, aujourd'hui, le titre de ces choses-là, c'est l'amour de Dieu. L'amour de Dieu, c'est quoi, mon frère et ma soeur? T'as l'amour de Dieu dans ta vie, c'est-à-dire tout est possible. Les miracles peuvent arriver dans ta vie, tu ne sais même pas quand. Simplement le Seigneur Jésus-Christ qui, à travers de moi, qui fait les choses. Il faut que les enfants vous le croient. Parce que le monde aujourd'hui, plus personne ne croit en Dieu Jésus-Christ. Vous le connaissez, l'Église est vide, vous êtes enseigné de quoi cette bonne parole. Parce que le monde, comme vous l'avez dit, ils sont aveugles. Il y en a certains qui croient à la fin du monde, donc ils préparent toutes les choses comme ça. La fin du monde, mon frère et sœur, comme je vous disais, c'est Dieu seul qui sait. Que le jour de la fin du monde arrive, mon frère, tu ne sais même pas quand. Il peut te frapper n'importe quel moment. Donc, mon frère, il faut avoir un peu d'amour chacun dans nos cœurs. Si le Jésus-Christ dans notre cœur, c'est le moteur de nos cœurs, c'est le cœur qui est le moteur de notre vie. Sans ton cœur, comme je vous disais, j'ai déjà vous enseigné cette parole du nom de Jésus-Christ. Jésus, il est versé son sang, je vous le dis, parce que à travers de lui, on a eu cet amour et gratuit. À travers de l'homme, je vous le disais, l'homme te donne amour aujourd'hui et demain, il te poignarde, mon frère et soeur. Parce que j'ai eu tellement de coups dans ma vie. Donc maintenant, j'ai venu un homme de Dieu et commence déjà derrière mon dos, les gens, ils commencent déjà à mettre le bâton dans les rues. Commence, c'est l'église de ma femme. La plupart des fidèles de l'église de ma femme commencent à essayer de mettre le bâton. La foule moque de lui dire. Ce n'est pas grave. Le Seigneur a dit, laissez les moqueries avec les autres. Parce que les moqueries, vous avez pourquoi? Ça fait évoluer dans notre vie. Ça fait évoluer dans ta vie, mon frère et ma soeur. Parce que la vie parfaite, ça n'existe pas, mon frère et ma soeur. Comme je vous disais chaque fois, j'ai des enseignants, vous me téléphonez. Oui, pasteur, il y a ça, ça se passe dans ma vie. Laisse les choses, mon frère. Prie-toi, fléchis-toi les genoux. C'est la chose que je vous le dis à travers les vidéos. Croyez le nom de Jésus-Christ de tout votre cœur et de toute votre âme, comme je vous ai dit, mon frère, ma soeur. À travers Jésus-Christ, tout ce que vous cherchez, vous avez trouvé. Parce que, comme je vous disais, j'ai eu deux fois les miracles dans ma vie, dans le nom de Jésus-Christ. Je ne peux pas vous le dire, je dis que c'est Jésus-Christ. Je vis pour rien que le nom de Jésus-Christ. Je couche pour le nom de Jésus-Christ. Parce qu'il est ma raison de vivre dans ma vie. Je n'ai rien, même vous pouvez me donner un milliard, ça ne m'intéresse pas. Parce que je préfère sacrer ma vie et être pauvre que je n'ai rien. Moi, ingénieur, l'amour pur à travers Jésus-Christ qui m'a donné est gratuitement et ce n'est pas payé. Je sais que vous êtes beaucoup qui me proposent, oui, pasteur, l'argent, ça ne m'intéresse pas, mon frère, ma soeur. Moi, je vous donne cet amour gratuit. Comme je vous disais, jamais je peux sortir cet amour dans mon cœur. Que je vous le donne gratuitement. Ça fait longtemps que je vous dis, mon frère et ma soeur. Donc, les choses que je vous dis simplement, à travers les vidéos, que croyez le nom de Jésus-Christ. Croyez Dieu parce que Dieu est merveilleux, vivre avec Dieu. Croyez le Sauveur, le nom de Jésus-Christ, qui peut te guérir dans ta vie, mon frère. Tu ne crois pas en Dieu, tu ne peux pas avoir les miracles dans ta vie. C'est pour ça, mon frère, ma mission, c'est pas aller faire tout le temps enseigner. C'est vrai, je fais les portes en porte.
pour aller prier chez le voisin, j'allais prier pour les frères, j'allais prier pour les choses. Oui, c'est ma mission, c'est ma méthode. On n'a besoin pas de tous les pasteurs, on n'a besoin pas de tout le monde à les réunir dans le cœur le dimanche. Il faut aller aussi aller prier chez les autres. Celle qui est malade, elle en a besoin. Parce que 80% de les frères et sœurs, ils sont malades. Ils ne peuvent plus bouger chez eux, ils ne peuvent plus marcher chez eux. Donc, il en a besoin de nous, l'homme de Dieu, pour qu'avancent les choses. Comme je vous disais tout le temps, le royaume de Dieu s'approche chaque jour. Et les hommes imaginent que la fin du monde arrive. La fin du monde, il va te frapper sur la tête, tu ne sais même pas quand. Tu es dans ton lit, tu ne sais même pas quand. Tout simplement, confie ta vie dans le nom de Jésus-Christ. Mets-toi ta main dans le nom de Jésus-Christ. Tout ce que tu fais dans ta vie, Jésus, il t'aime. Jésus, il t'accueille dans les bras. Le cœur du Seigneur est grand, est pur et honnête. Personne en au-dessus de lui, personne. On est obligé de passer par le nom de Jésus-Christ. Après notre mort, comme je vous disais, c'est le dernier jugement. Tout ce que tu as fait, montrer cette vie sur cette terre, tu vas regretter toute ta vie. Donc c'est maintenant en 2010, c'est l'ère de préparation de ta vie. L'ère de changement dans ta vie, mon frère et ma sœur. Parce que mon message aujourd'hui, c'est sur l'amour. Je vous enseigne sur l'amour. Je vous enseigne comment aimer ton frère, comment aimer ta sœur, tout ça. Mon frère et ma sœur. Parce que j'étudie la Bible, mon frère. Je n'ai besoin pas des gens qui m'enseignent ou qui sont ça. Parce que moi, je vous en c'est vrai, vous ne trouvez pas que j'ouvre beaucoup la Bible. Je n'ouvre pas la Bible parce que c'est moi-même, j'ai étudié la Bible. Après, je vous enseigne cet amour à partir de travers des vidéos, à travers de ces choses-là, mon frère. Que je vais vous expliquer simplement les choses simples. Tout le monde ne peut pas comprendre la parole de Dieu. Tout le monde n'a pas être, en a besoin pas être athée pour que comprendre que Jésus, il t'aime. On n'a besoin pas être intelligent pour que Dieu est amour. Dieu est fidèle. L'homme n'est pas fidèle et Jésus est fidèle en toi, mon frère. À travers de ces choses-là, toutes les choses que j'ai vues, c'est pour ça que je partage cette passion quand même de Jésus-Christ. Mes frères et sœurs, soyez bénis.